Chaque étape a ses exigences légales. Vous avez forcément un permis d'explorer ou de prospecter. Ensuite, parce que cela, c'est de grandes surfaces que vous allez exploiter, mais à côté de ces permis-là, il y a d'autres dispositions qui entrent en jeu, que ce soit des dispositions du pays même ou les dispositions régionales, parce que de plus en plus maintenant, les communautés économiques régionales élaborent un cadre législatif et politique qui encadre la gouvernance des ressources naturelles, de sorte qu'on puisse harmoniser dans tous les pays respectifs de la région les instruments de gouvernance. Donc ça, c'est fondamental. Et chaque étape aussi implique des responsabilités et des actions de chaque acteur. Pour les investisseurs, il faut se conformer aux obligations. Pour le gouvernement, il faut surveiller toute la procédure et tout le processus. Mais enfin, la communauté aussi a un niveau de responsabilité important et de participation jusqu'à ce que la loi lui offre, jusqu'à un niveau où ce que la loi lui offre effectivement un certain nombre de prérogatives. Et puis, une fois cela fait, nous allons maintenant à la planification. La compagnie a exploré, elle sait que le minerai est important, il est viable économiquement, je peux le vendre dans le marché international et voici ce que je peux attendre comme résultat. Il fait la planification et il commence à construire l'infrastructure qui va abriter le projet minier. Donc, si c'est après avoir caractérisé la ressource, on conçoit un plan de la mine. C'est comme un bâtiment. Vous faites les études de sol, maintenant vous êtes sûr que ce sol-là peut arrêter votre bâtiment. Vous commencez à faire le plan cadastral, le plan architectural, etc. Et cela aussi nécessite plusieurs autres étapes, y compris les consultations pour que les populations puissent savoir ce qui les attend. C'est avec les consultations aussi avec l'État et tout ça, pour voir qui va gagner quoi dans ce projet-là, parce que l'État aussi doit gagner. Vous verrez que dans plusieurs États, il y a une participation gracieuse. La plupart en Afrique de l'Ouest, c'est soit 10% ou 15%, où on peut permettre à l'État d'accéder directement aux parts, mais dans d'autres pays aussi, on l'ouvre au secteur privé national jusqu'à 20%. Donc, ce qui fait que s'il y a des promoteurs privés au niveau national qui souhaitent contribuer dans le capital de la compagnie, ils ont la possibilité de le faire. Donc, ici, la compagnie a maintenant ce qu'on appelle son permis d'exploiter, et c'est ça qui lui permet, bien sûr, de faire tout ce plan d'installation et ainsi de suite. C'est fondamental. Il aménage, il construit, il met les installations qui permettront maintenant de faire l'extraction. C'est fondamental. La compagnie peut avoir tous les services nécessaires qui pourront gérer ces aspects-là, ou elle peut aussi sous-traiter avec d'autres, que ce soit cabinets nationaux ou internationaux, qui vont gérer chacun ou chacune une étape de ce processus-là. Par exemple, il y a d'autres qui préfèrent ne pas gérer tout ce qui est aspect financier, ils confient ça à un cabinet financier ou cabinet comptable, etc. Les questions juridiques, ils ne veulent pas s'attarder là-dessus, ils confient ça à un cabinet. Et la compagnie se concentre sur l'extraction, tout simplement. Ensuite, ce processus-là nécessite une fourniture de biens et de services, c'est le transport, c'est les matériels de rechange, c'est les pièces de rechange, c'est certaines techniques d'extraction pour lesquelles la compagnie n'a pas forcément d'expertise, elle peut aller sous-traiter ça, soit avec le privé national ou le privé international. L'essentiel, c'est que chacun a un rôle à jouer ici. La mine cohabite avec les communautés. Alors, c'est fondamental de voir jusqu'où elle impacte ces communautés-là. Si cela requiert parfois la délocalisation des communautés, naturellement, il y a un cadre juridique qui l'encadre. On délocalise ces communautés, on va les installer ailleurs pour pouvoir au moins leur assurer ce qu'on appelle ce processus de réinstallation, qui implique aussi des indemnisations parfois dans certains pays ou des compensations pour d'autres selon le cadre juridique qui existe. C'est une étape qui peut durer, on l'a dit plus haut, entre 3, 5 et même 10 ans en fonction de la taille de la mine. Donc, ici, il existe bien sûr beaucoup d'opportunités pour les entreprises locales et les communautés, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des opportunités en termes d'approvisionnement local. Pour les communautés, c'est des opportunités en termes d'emploi, parce que de plus en plus, les mines
commence à privilégier l'emploi local si l'expertise se trouve ici. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, chacun peut tirer profit de chaque étape de la mine. Donc, ça, c'est fondamental. Par exemple, la mine peut avoir besoin des camps d'hébergement, des routes d'accès, des services de fourniture de biens alimentaires, etc. Donc, tout ça, c'est les populations locales ou les entreprises locales qui sont privilégiées en termes d'accès à ces marchés-là. Mais, alors, les avantages sont importants, mais il n'y a pas que des impacts positifs. Il y a aussi des impacts négatifs sur l'environnement et sur même les populations en termes de santé, la poussière. Il y a aussi la pollution sonore des machines durant le concassage ou durant l'exploration même. Alors, on enlève la végétation, c'est des surfaces énormes qui sont exploitées. Il y a la pollution, la vibration, la poussière dont j'en ai parlé, qui peuvent avoir des implications sanitaires sur les populations aussi. Donc ça aussi, il faut le noter à ce niveau-là. Et c'est surtout à ce niveau-là que ça commence à être beaucoup plus remarquable chez les communautés. Donc ce qui fait que chacune des parties a des responsabilités. Les investisseurs, c'est de réduire au maximum possible les impacts négatifs sur les populations. Parfois, c'est ça qui implique cette délocalisation de ces communautés-là pour éviter ces impacts-là. Ou d'autres formes de technologies qui pourront réduire effectivement ces effets négatifs. Ça, c'est fondamental aussi à noter. Je l'avais dit au début, la compagnie exploite. À un certain moment, elle peut cesser d'exploiter pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons techniques, ça peut être un problème de rendement financier. Vous avez vu pendant la COVID, par exemple, beaucoup de projets pétroliers sont soit arrêtés ou bien ont réduit l'exploitation parce qu'effectivement, le coût du baril avait baissé de façon drastique au niveau du marché mondial. Au même moment, les projets miniers d'exploitation de l'or, de l'argent et du diamant, par exemple, étaient assez rentables parce que les prix avaient flambé au niveau mondial. Donc, d'une forme ou d'une autre, une mine peut s'arrêter, soit pour des raisons juridiques, pour face à des raisons politiques ou même environnementales, s'il y a des conflits dans le pays concerné. Naturellement, cela ne permet pas à l'exploitation de prospérer. Donc ça, c'est des éléments à prévoir. C'est pourquoi, d'ailleurs, le risque est très énorme pour les compagnies qui viennent exploiter. Parfois, les populations ne comprennent pas pourquoi on fait beaucoup de faveurs, y compris fiscales et financières, à ces compagnies-là. C'est effectivement parce qu'il y a beaucoup de risques sur leur investissement. Donc ça, c'est fondamental. Alors, à ce niveau-là, il faut noter qu'il y a beaucoup de travaux qui sont là à faire. C'est l'acquisition des droits, c'est l'organisation du financement, le permis, etc. Comment la mine sera fermée, tout ça, il faut le régler à un moment pour pouvoir permettre à tous les acteurs de savoir chacun quelle est sa responsabilité. Et aussi, les opportunités, je l'ai mentionné tout à l'heure, peuvent être assez importantes pour les communautés et le secteur privé, de sorte qu'ils puissent fournir des biens et des services à la compagnie. Donc ça, c'est fondamental. Ce qui fait qu'en termes de responsabilité, les communautés déjà, les acteurs communautaires tels que la société civile peuvent déjà préparer les communautés. S'il y a nécessité même de demander à ce que l'État puisse apporter certaines formations techniques qui pourront permettre aux acteurs communautaires locaux de pouvoir tirer davantage de profit de l'exploitation, c'est des options à chaque pays, ces options. Les médias peuvent contribuer de façon considérable à donner la bonne information aussi à l'ensemble des acteurs. Ça, c'est aussi un élément clé. Les investisseurs, le gouvernement, la communauté, les médias, les parlementaires, chacun a un niveau d'engagement en fonction du rôle qu'il pourra jouer dans ce secteur-là et à tout niveau. Alors, une fois la planification et la construction de l'infrastructure terminée, on va à l'exploitation proprement dit. Ici, c'est le niveau où on extrait le produit, le minerai lui-même. On le traite pour obtenir le produit final, comme les métaux, que ce soit le fer, l'or, le diamant ou tout autre, le zircon, etc., ou le pétrole ou le gaz. C'est à ce niveau-là qu'on a le produit proprement dit. Le produit proprement dit, une fois sorti, il est broyé, il est cassé en poudre, pour pouvoir au moins extraire, parce que ce n'est pas tout ce que l'on extrait là qui constitue le produit lui-même.
parce qu'il peut venir avec des dérivés de sable, etc. Donc, il faut ce processus de broyage, de concassage, pour avoir le produit final qu'on va amener à l'usine maintenant. Ce produit-là, on l'appelle le minerai, mais il n'est pas encore traité parce qu'il est concentré. C'est ce concentré-là qu'on va aller affiner, le rendre pur, de sorte qu'on puisse obtenir le produit final qui pourra être bien sûr transformé dans les industries. Donc, vous verrez que ce soit une extraction à ciel ouvert ou souterraine, dans certains cas, parce qu'il y a beaucoup de pays, par exemple, en Afrique du Sud, l'exploitation se fait de plus en plus de façon souterraine. Le minerai, l'essentiel, la finalité est la même. Le minerai extrait est traité avant de devenir au moins le produit final que vous verrez et qui sera transformé. Donc, c'est ce qui fait que cette étape est un peu relativement plus longue que les autres étapes. Ça peut prendre des décennies même en fonction de la taille de la mine et de la caractéristique ou des caractéristiques du minerai que nous sommes en train d'exploiter à ce niveau-là. Donc, comme à la phase d'exploration, il y a un certain nombre d'exigences. Il faut avoir un permis d'exploiter. S'il nécessite d'être renouvelé, si le minerai n'est pas épuisé, vous allez le renouveler. Donc, ça, c'est les procédures juridiques. Ensuite, il y a bien sûr des obligations qui incombent à l'ensemble des acteurs, y compris celui qui exploite. C'est les questions sanitaires, sécurité, environnement, etc. Et à ce niveau aussi, chaque acteur a des responsabilités et un rôle à jouer fondamentalement, y compris les obligations, le rapportage davantage. La société civile s'est battue pour qu'il y ait beaucoup plus effectivement de transparence, aussi bien sur le produit extrait que les bénéfices que les compagnies obtiennent. Donc tout ça, c'est des choses qui apparaissent maintenant grâce à la transparence à travers soit des rapports de la compagnie ou des rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, y compris aussi le rôle que l'État joue en termes de surveillance, etc. Donc, chacun joue un rôle, chacun peut en tirer profit. Donc, de façon schématique, voici comment il se présente. Explorer, concentrer et extraire, raffiner le produit. Vous avez le produit semi-fini, ensuite on l'amène à l'usine, il devient un produit manufacturé et enfin vous avez le produit fini de grande valeur. C'est ce produit de grande valeur là qui est revendu au marché international. Quand on parle de coût de l'or, on parle du coût du baril, effectivement on parle du produit fini pratiquement qui a de la valeur. C'est ce produit là qui est vendable dans le marché. Une fois que vous avez ce projet là, vous faites l'exploration, vous faites la construction, vous extrayez à une durée donnée, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est temps maintenant de voir comment vous envisagez la fermeture de la mine et effectivement la restauration. Parce qu'il y a maintenant des obligations juridiques qui font que la compagnie doit restaurer la mine, c'est-à-dire le sol, réhabiliter le sol. Donc ça, c'est fondamental. C'est après épuisement du minerai, pour plusieurs raisons, on peut fermer la mine aussi parce que le produit n'est plus rentable au niveau du marché international. Donc, il y a une faible production maintenant qui se présente. Il faut naturellement penser à fermer. Donc, c'est fondamental de prévoir ce qu'on appelle cette étape clé, la fermeture. Alors, les opérations de fermeture impliquent bien sûr aussi des obligations ou des exigences légales de la part de la compagnie. Parfois, vous verrez que des pays comme le Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest notamment, que l'État crée ce qu'on appelle un fonds de réhabilitation du sol. La compagnie, dès le départ, est obligée de verser avec des modalités bien définies dans la loi de l'argent dans ce fonds-là qui sera utilisé pour réhabiliter le sol. Dans d'autres pays, la compagnie ne le fait pas, mais elle réhabilite au fur et à mesure qu'elle exploite. Donc, il y a beaucoup de mécanismes en fonction du pays dans lequel on se trouve qui permettent au moins de régler cette étape qui s'appelle la fermeture. Mais elle coûte cher, il faut le reconnaître. C'est pourquoi dans d'autres pays, cela constitue toujours des problèmes parce que cette fermeture-là, elle peut être très coûteuse à la compagnie et comme c'est elle qui a la responsabilité de le faire. Donc, c'est des dépenses additionnelles.
Donc, ça, c'est fondamental à retenir. Donc, les États font des arrangements financiers avec ces compagnies-là pour voir au moins comment chacun peut, disons, assumer ses responsabilités, ses obligations dans ce processus de fermeture. C'est fondamental. Alors, les questions à prendre en compte à ce niveau-là, c'est par exemple les personnes qui travaillaient pour la compagnie, les activités qui tournaient autour de l'exploitation, qu'est-ce qu'elles deviendront? Ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'après-mine. Ensuite, le déclassement des installations que vous aviez faites, comment on va gérer les produits chimiques qui étaient stabilisés quelque part ou bien qui étaient stockés quelque part. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, certains États ou gouvernements n'ont pas forcément toute la technologie ou ne prennent pas souvent suffisamment au sérieux ou en compte cette étape-là parce qu'il n'y a plus de revenus financiers qui pourraient créer un enjeu. Donc, généralement, pour la compagnie, ça crée une mauvaise réputation. Pour l'État, c'est encore créer d'autres risques sanitaires pour les populations qui devront vivre autour de cette mine qui vient d'être fermée. Et pour les communautés aussi, c'est des risques de santé, etc. Donc ça, c'est fondamental. Naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, la fermeture implique des dépenses énormes. C'est un peu le démantèlement des installations, c'est la réhabilitation des surfaces, c'est la reforestation de la surface déjà utilisée. Et cela nécessairement requiert aussi des services spécialisés qui pourront intervenir. Donc ça, c'est fondamental. Et parfois, il faut même mobiliser la communauté pour participer à certaines de ces activités de fermeture. Donc, la post-fermeture, elle est importante parce que de plus en plus, il y a des accréditations ou des certifications qui permettent de donner à la compagnie un peu plus de crédit et de bonne réputation. Si elle bénéficie de ce certificat de fermeture dans certains pays, il le faut carrément pour dire qu'effectivement, vous avez assuré toutes vos obligations liées à la fermeture de la mine. Et aussi, il y a la provision financière pour post-fermeture. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des fonds que certains pays définissent qui permettront effectivement de réhabiliter le sol une fois la mine terminée. Donc, en résumé et en conclusion, chaque étape du cycle minier à ses propres problèmes, ses exigences légales, politiques, etc., et aussi des opportunités que cela offre et des liens que cela peut avoir avec d'autres secteurs, que ce soit le privé national, les emplois, etc. Ensuite, chaque partie prenante, chaque acteur a un rôle à jouer en fonction du niveau d'obligation ou de responsabilité qu'il y a. Donc, c'était en résumé les éléments que nous voulions partager avec vous sur le cycle de vie d'une mine. Et si vous voulez pousser vos lectures, nous avons exploité des documents que nous vous présentons tels que les méthodes de développement durable de ces auteurs. Ensuite, il y a beaucoup d'autres productions littéraires sur la question que vous pourrez trouver. Il y a même des vidéos, des tutoriels très intéressants que vous pourrez trouver sur YouTube. Dans les rapports UTE pour chaque pays, en fonction du pays d'où vous venez, vous pourrez consulter toutes ces informations. La majorité, en tout cas, de ces informations-là sont rappelées dans la partie contexte du rapport UTE de votre pays. Il y a, je l'ai dit, d'autres références qui vous permettront aussi d'avoir des informations beaucoup plus détaillées sur la question. Si vous avez des questions, des commentaires, des contributions, n'hésitez pas. La plateforme vous permet de poser vos questions et de revenir sur certains aspects que vous n'avez pas bien compris. Je vous remercie et on se retrouve pour la prochaine, pour le prochain cours qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles avec comme cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.